Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 5h50 du matin, je suis explosé. Aujourd'hui, je pars en Croatie. Il faut que j'aille chercher le soleil. Bon les amis, il est 6h45, l'embarquement est à 6h50. Faut qu'on se grouille, on n'a pas passé la sécurité. On doit faire 15 km à pied parce que l'aéroport est super lent. Ce vlog commence maintenant. C'est parti. Point info, il est 6h58 l'embarquement de l'avion. Le décollage de l'avion est à 7h20. Moi je suis stressé. Kwame il est tranquille. Je suis en détente, ça. On s'en fout. Et ils avancent pas aussi là. Allez, allez. Bon, il est 7h09. C'était sport. Puis ils nous ont saoulés au contrôle là. Bref, c'est la première fois que je prends l'avion aussi tard, je crois. Les amis, ce week-end s'annonce. Speed. Guten Tag, au Schwarz, ist Lividig. C'est ce que je sais dire. On vient d'arriver à Munich, c'est tout blanc, à mon avis. Ça caille. Putain, j'adore ce paysage, c'est trop beau. Du blanc. Guten Tag, ça répond en Allemagne. Effet environ moins 400 degrés. Il est 9h47 du matin, non je ne bois pas une bière, c'est un jus de pomme. Les amis, je vous ai pas présenté Planet Jet. Les amis, je vous ai pas présenté Kwame, je pars avec lui, on a fait Lyon, Roissy hier soir, on a dormi à l'hôtel, pas ensemble, je tiens à le préciser. C'est un bonheur de partir en OP avec toi. On a un historique, faut quand même parler. Effectivement, c'est vrai que certains des abonnés ne doivent pas me connaître, mais je suis un fil rouge du vlog de Julien, présent depuis quelques temps. Nous avons fait quelques défis et à chaque fois Julien a triché. A chaque fois, Julien a gagné. Non, Julien a triché. C'est pas pareil. Bon, bref, c'est parti, let's go. On a un embarquement à 10h15. Ouais, ça caille, hein. Alors, il s'agit d'un vol affrété par Nissan. Du coup, il n'y a que des gens de Nissan et il n'y a que les invités qui sont là. C'est pour ça qu'on a un avion entièrement brandé. Donc là on est sur la session lifestyle, ça veut dire qu'il n'y a que des blogueurs, que des instagrammeurs, que des gens qui pèsent. Comme Kwame, 420 abonnés Instagram Kwame. C'est bien parce que ça dépayse, on se croirait en perdu. Ça me fait un peu penser à la Grèce. Bonne journée. Thank you. Bye. Nous arrivons à Dubrovnik. My name is Fabro. This one. Yes. Okay, this is USB for you. Thank you. Bon, je viens de récupérer mon badge. Julien Fabro, France. Alors, je suis ici pour les essais de la nouvelle Micra avec Nissan. Une voiture que j'ai découvert il y a très peu de temps en images et en vidéo. Et quand on m'a proposé de venir, j'ai accepté avec grand plaisir parce que cette voiture promet bien des choses. Menel speaking from Nissan Europe. Alors voilà la bête. Franchement, je suis très très fan. Ça a de la gueule. On voit que Nissan a travaillé le côté sportif à fond. La calandre est agressive, c'est méchant, c'est nerveux. Alors là au niveau du programme, on a 3 heures pour faire une boucle de 130 km. Apparemment on a des points qui sont assez chouettes. Attends, je suis flou. Allez les amis, c'est parti. Nous sommes en Croatie, il fait 15 degrés. Je suis avec Kwame, on teste la nouvelle Micra. C'est parti. On est sur des petites routes là, comment je kiffe. Je me croirais en Grèce, en Crète. Non mais là, mais j'étais obligé de m'arrêter, regardez comme c'est trop trop beau. Je sais pas où on est à Kubik, un truc dans le genre, mais c'est magnifique. Regardez les petits pontons là, c'est comme sur les photos, avec un paysage. Alors là, ça doit être un lac par contre, mais c'est superbe. Vous vous en souvenez, c'est le pont qu'on a vu depuis l'avion. Il y a un petit air de San Francisco hein, en Croatie, j'aime bien. Je crois vraiment qu'on a trouvé le spot idéal. On est sur une petite crique qui s'appelle Braskas, Breastless. C'est beau la Croatie quand même.
putain, là je pourrais sauter. Je m'en compte pas. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Là, je me dis qu'en France, ils sont en train de cailler très très fort. Il doit faire au moins moins 10. Et là, on est bien. Il fait plus 15 degrés. Regardez, l'eau est belle. Il fait beau, on est en Croatie. Attends, putain, c'est pas trop beau. Arrête-toi alors, regarde. Attends, viens. Prends du le coup, temps. Attendez, attends. Merde, tourne-toi dans ce sens, sinon il faut. C'est compliqué de filmer un noir. Alors, attention, très beau plan de ma gueule en slow motion. Dans 3, 2, 1. Tu veux faire quoi? Juste, tu fais des beaux plans, des slides, des trucs glissés. Putain. Changement de pilote. En plus, Kwame, il fait n'importe quoi. Allez, Kwame, il arrête pas de prendre des photos. Kwame, faut se calmer. Faut se calmer. Oh là là, la blague du siècle, elle est là! Map test drive, day one. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, nous sommes actuellement... Ah, mais on a fait que 2 points. Kwame! Oh! Oh! Le coffee stop, il est à côté, là. Il y a un moment, hein, moi je m'implique, toi tu stops mes efforts. Il y a un truc que je kiffe vraiment chez Nissan, c'est vraiment la vue hélicoptère quand on est en marche arrière. Regardez, c'est hyper cool. Là, je suis dans un espèce de gymkhana assez étroit. Il y a des cailloux à côté. Et ben, j'ai même pas à me retourner. Ça, c'est cool. Je kiffe. Pit stop, les amis. C'est l'heure de la pause café et j'ai trop trop faim. Donc, on est bien dedans. Bon, on n'est pas non plus en été, hein. Là il commence à cailler un petit peu. En même temps, il y a le soleil qui se couche, donc c'est normal. Mais ouf, ça caille. Putain, le lieu, il est juste magnifique. Là, c'est un port. C'est beau, quoi. Il y a un truc que je kiffe dans ces voyages, dans ces opérations-là, c'est que, en plus de découvrir des produits, des voitures, des accessoires, on découvre des lieux qui sont juste fantastiques dans un cadre qui est génial. Spot de ouf, on vient de trouver un coin qui est trop trop beau, coucher de soleil. Et j'étais justement en train de tweeter un contenu pour parler un petit peu de la voiture, et je viens de voir que j'ai dépassé les 15 000 abonnés sur Twitter. Ça me fait plaisir. Voilà, c'était l'annonce du jour, je suis content. 15 000, voilà, on passe de 14 à 15, ça fait plaisir. Voici notre hôtel qui est juste ici, le Radisson Blue Hotel. À mon avis, ça devrait être pas mal. Ah ouais, non mais les mecs, ça va chercher loin, même la carte d'hôtel et brandé Nissan. Je sais pas quel budget ils ont mis, mais... Ah ouais, quand même. Eh bah dis donc. Oh. Oh bordel, c'est chouette, hein. Bon là j'ai genre trop trop faim. J'ai regardé la carte, je devais prendre un burger. Même s'il est 17h et qu'on va manger comme des rois après, j'en peux plus. Donc un petit burger me fera pas de mal. 7, 3, 9, 0, 7. Hein? And I want a burger. Burger standard. Yes. Ok, which is your room number? But I come in for 10 or 15 minutes. Ok, perfect. Thank you. Thank you, bye. Eh ben putain, je suis une vraie bite en anglais, hein. Hello. You're all the burgers here? Yes. Thank you. Okay, thank you very much. Enjoy. Putain, j'avais la dalle. Alors ça, je vais le déboîter. J'ai trop faim. Bon, je viens de me commander un burger, mais j'ai aussi envie de me prendre un bain. Donc est-ce que je prends un bain en 2-2? Non. J'ai une meilleure idée. Good evening and welcome to the Nissan Micra live event. Franchement, je plains le gars qui est assis dans ma voiture. Le gars, il a pas le droit de sourire. Stance is supported by the three bold horizontal lines.